Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo calendrier de l'Avent, la troisième partie. Je vous remettrai tout de suite en barre d'infos la première et la deuxième si vous ne l'avez pas vue. Je fais ce swap calendrier de l'Avent avec ma belle Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Et pour l'instant, je vous avoue que je suis ultra conquise par tous ces cadeaux. On se retrouve donc aujourd'hui pour la suite et le cadeau numéro 15. Un peu plus festif pour tes créations. Vu le packaging, je pense que ce sont des washi tape de chez Action, parce que ça me dit quelque chose, elle m'en a déjà offert dans la vidéo 1. Mais alors plus festif, peut-être plus sur le thème de Noël, ou plus coloré, je ne sais pas. J'en ai acheté pas mal de cette gamme là, alors je ne sais plus si je les ai ceux-là. Ceux de la dernière fois c'était un risque, mais je les avais montrés dans ma vidéo Action de, il y a très longtemps. Je pense, ou je ne sais peut-être pas montrer en vidéo, je ne sais plus. En tout cas je les avais tous achetés, celui-ci je ne sais plus. Je pense que oui aussi, je pense que je l'ai déjà. Mais à vérifier, à vérifier. Donc ma foi, ça reste très sympa, ils sont très beaux. Festifs ou pas, parce que je trouve qu'ils vont aussi pour toute l'année, avec le petit gold là, les petites étoiles et tout, ça peut servir tout le temps dans toute création. Si vous ne me suivez pas sur ma chaîne, et bah déjà bienvenue. Et je fais quelques fois des vidéos scrap, création, etc. Ça m'arrivait quand j'avais plus de temps. Bon, j'ai un peu plus de... j'ai moins de temps avec deux enfants et un troisième en cours, mais bon. Je vais y arriver. Pendant les vacances de Noël et du coup pendant mon congé maternité, je pense que je pourrais continuer mes albums. J'ai fait un album pour ma fille, que vous avez la vidéo en barre d'infos. Et pour mon fils, je vais vous la filmer très prochainement aussi quand j'aurai plus de temps. Donc voilà pour ce premier cadeau de la semaine. Et bah ma foi, j'ai hâte à demain. On va se spoiler un peu en lisant l'indice de demain. Elle est dans ma wishlist, j'espère que tu vas aimer. Ça donne encore plus envie si c'est un truc que tu veux, parce que malheureusement, à chaque fois avec Elodie, ses wishlists ça me donne envie. Ou même ses achats ça me donne envie, donc voilà, elle est pas gentille. Donc voilà, je vous retrouve demain. Coucou, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 16, on est dimanche, donc pardonnez ma tête, je sors de la douche et je ne me suis pas maquillée. Aujourd'hui je rentre à Paris pour celles qui suivent, j'ai fait les allers-retours Paris deux fois dans la semaine, enfin une fois dans la semaine, bon, bref, je vous invite à aller voir mes vlogs. Je fais les allers-retours Paris et du coup aujourd'hui je rentre avec ma maman sur Paris, donc j'ai pas envie de me maquiller particulièrement aujourd'hui, donc je vais laisser respirer ma peau. On se retrouve donc pour le cadeau 16 et hier lundi ça avait vraiment m'avait vraiment donné envie puisqu'elle est dans ma wishlist, j'espère que tu vas aimer. Donc ça a l'air moutmouté, donc je pense qu'elle a bien protégé, peut-être que c'est une palette, mais je ne sais pas parce qu'il y a beaucoup de choses dans sa wishlist qui font envie et que je ne connais pas spécialement parce qu'il y a des marques que je ne connais pas dans ses wishlists. Donc ouvrons ça. Pour info, pendant le jour, celles qui ont adoré ce petit pull, il vient de chez Primark. Je vous l'avais montré dans mon dernier vlog et vous avez été nombreuses à me dire qu'il avait l'air sympa. Donc ma foi, je suis pas fan du col en V. Alors j'ai mis un col roulé parce que j'aime pas trop être trop découverte, surtout avec un col en V. Mais il est beau aussi. La réflexion de mon mari ce matin. Ouh, tu ressembles à un petit poussin. Donc c'est une palette. Mais alors de quoi? Je ne vois pas du tout le packaging. Encore de Colourpop. Mais t'es une malade, hein. Tu es une malade, hein. Qu'est-ce que tu m'as fait là? En fait, t'as passé une commande Colourpop, tu l'as dit à personne, hein, parce que tu n'as pas fait de haul pour toi. Donc je suppose que tu as craqué que pour moi. Et alors, oh là 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 là, je vous la montre même pas depuis tout à l'heure, la Brown Sugar. D'ailleurs, hier, j'étais sur le site Colourpop pour commencer moi aussi peut-être à craquer. Mais du coup, je vais attendre la fin de ce swap, hein, parce que bon. La Brown Sugar, donc c'est une collaboration entre Colourpop et Carouche, je sais pas comment ça se dit. Waouh. Et il y a l'air d'avoir 9 couleurs à l'intérieur dans les tons marron. Oh là là. Dans les tons marronnés. Sublime. Sublime, sublime, sublime. J'avoue que je comprends qu'elle soit. Alors, je l'ai pas vu passer dans ta wishlist, mais je comprends qu'elle y soit. Je sais pas si vous verrez bien. Hop. Vous avez vraiment de tons marron. Vous avez des mats ici. Ici, des irisés. Et ici encore des mats, donc il y a 6 mats et 3 irisés. Là, il y a un fard qui commence à se barrer. Donc, je vais faire très attention. Je ne sais pas si vous verrez. Il y en a un là qui essaye de se faire la malle. Je vais le remettre bien. Je pense que le voyage lui a fait un peu de mal, mais ça va. Et alors, dans les irisés, il y a une espèce de marron là qui est sublime. Et alors, cette couleur, indescriptible. Bon, on va swatcher quelques couleurs parce que là, ça m'intrigue trop. Alors, tout est hyper pigmenté. Les pads des fards à paupières bougent. Je pense que va falloir que je recolle tout ça parce que j'ai peur qu'il y en ait un qui se fasse la malle. Mais alors, waouh,
Ils ont tous des noms un peu sympas, Auburn, Jamoka, Amber, Sauté. Et alors le fameux, les deux irisés là par exemple que j'ai swatchés, pardon, ils sont là. Je vais vous les montrer. Ils sont vraiment magnifiques, hein. Je sais pas si vous voyez, mais ils ont une texture hyper crémeuse. Même les mats, ils sont hyper pigmentés. Donc là, superbe. J'ai hâte de les tester du coup sur mes yeux. Alors j'aurais bien voulu l'emmener à Paris, mais alors vu que les pads y bougent, j'ai peur. Donc je vais pas risquer. Je vais attendre mardi mon retour pour la tester. Mercredi, jeudi, après je serai en vacances, donc j'aurai le temps. Waouh, trop bon. J'aime beaucoup ces couleurs-là, un peu nude, marronné, mais chaude. Vraiment très très belle sélection. Merci, merci, merci encore ma Elodie. Merci du fond du cœur. Je crois que je vais devoir passer le cap et commander sur Colourpop. Bon, à demain. Coucou, on est aujourd'hui donc lundi 18. Non, pas 18. 17. Bon, je suis perdue dans les jours. Je suis dans ma classe, donc comme vous pouvez constater, je suis prof des écoles. Donc si vous ne me connaissez pas, les voici. Et j'ai envie d'ouvrir ce matin avant d'aller travailler mon calendrier de l'Avent avec Elodie. Le numéro 17 est énorme et lundi c'est... J'ai craqué, c'est tellement mignon. Mais j'ai pas du tout d'idée de ce que ça peut être. Vu la forme et tout, j'ai pas d'idée du tout. Alors c'était pas facile d'emmener dans ma valise jusqu'à Paris et tout. Hein. Je vous avoue que ça a pris un peu de place. On est tout fait dans du papier de soie. Ah, peut-être une petite boîte, on dirait, qui s'est ouverte. Bon, alors c'était une jolie boîte, mais tout s'est ouvert. Voilà, j'ai réussi à rétablir la chose. C'est trop trop mignon, effectivement, c'est une petite boîte. Et ma petite Elodie, alors je sais pas d'où ça vient, peut-être d'Action, me l'a remplie avec des Kinder chocolat maxi et des petits Milka dedans, ça sent très très bon le chocolat. Ça va être mon réconfort du jour pour cette reprise, pour mes deux derniers jours. Donc c'est top 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 top. Coucou, on se retrouve mardi 18 décembre dans ma classe toujours pour mon dernier jour d'école. Je vous invite à aller voir mes derniers vlogs maîtresse, etc. Si ça vous dit, je vous mettrai dans le petit i pour connaître un peu plus ma vie de maîtresse. Donc le 18 se présente comme ça. Elle m'a mis comme indice pour décorer ton planeur ou autre projet créatif. Donc je pense que c'est peut-être ce sont des petits stickers, peut-être de chez Action. Des grandes planches de stickers. Ah, alors il y a des petits comme ça de chez Action avec des petits cupcakes et tout ça, c'est trop sympa pour les planeurs, effectivement c'est très pratique. Et deux grandes planches comme ça avec des cactus. Alors moi je suis hyper fan des cactus, donc c'est top. Encore des petits cactus derrière. Et l'autre c'est des trucs un petit peu style effet bois. Ils sont très mignons aussi, les petits cœurs, les petites clés. Celui-là est très beau d'ailleurs. Donc très sympa ces petits stickers, c'est effectivement là pendant les vacances de Noël, j'ai bien l'intention de scraper, donc c'est top 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 top. Merci Elodie, à demain. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le calendrier de l'Avent avec Elodie. On est le jour 19, mon fini préféré, hâte d'avoir ton avis dessus. Alors ça ressemble à ça, mon fini préféré. Peut-être que c'est une palette ou quelque chose comme ça. En tout cas, le format est... Ah non, ou peut-être un rouge à lèvres, des rouges à lèvres. Peut-être des rouges à lèvres Colourpop, parce que pendant qu'on y est avec Elodie, on ne sait jamais. Non, je sais pas, mon fini préféré, je pense des rouges à lèvres. Alors, si je vois ça, ça me dit rien du tout. Trop bien, des Colourpop, exactement, les Hidden Agenda, donc des Ultra Satin Lip Trio. Mais t'es une malade, là il y en a trois d'un coup. Et alors, j'ai bien fait d'attendre avant de passer quoi que ce soit comme commande. Hein. Je sais pas si vous les verrez bien, j'ai mis mes éclairages parce que oui, il n'y avait pas trop de luminosité, même à 10h du matin. Ils sont trop beaux le packaging d'ailleurs, il y a la teinte Stud, la teinte Règne et la teinte Mystique. Alors c'est quoi les finis du coup? Satin Lip Trio. Alors ça doit être satiné, ça doit pas être mat. C'est des finis préférés. Bon, j'ai hâte alors de tester. Oh là 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 là. Ils sont trop beaux. Donc ça c'est le Stud, c'est une sorte de nude un peu vieux rose.
De toute façon, comme d'habitude, soit je le porterai dans la prochaine vidéo, soit je vous mettrai une photo ici avec le swatch sur mes lèvres ou le swatch sur ma main si j'ai pas eu le temps de faire sur les lèvres. Le deuxième qui est le Règne, qui est aussi un nude mais un petit peu plus pêche. Les couleurs sont fort proches, on va dire. Oh, ça va être très très joli sur mes lèvres. Là, je porte un rouge à lèvres d'Anastasia Beverly Hills, ça le, je ne sais plus lequel, le Maman, je crois. Ou le Lovecraft, je crois. Je ne sais plus. Et ah, le dernier est un petit peu plus foncé, donc les Ultra Satin Lip. Et c'est plus un vieux rose, celui-là, il est très très beau aussi. Oh là là, j'ai hâte. Et c'était le Mystique, le dernier. Trop bien, mais alors là, waouh. Mais tu me fais découvrir la marque Colourpop. Et ça, c'est vraiment, vraiment du bonheur. Parce que c'est vraiment surprise. Donc ça, c'est cool. Merci, merci, merci encore, Elodie. Justement, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, je me suis maquillée avec la palette qu'elle m'a offerte, donc dimanche. Oui, je crois dimanche, la Brown Sugar, comme ça. Et honnêtement, elle est très 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 bien pigmentée. C'est assez impressionnant pour le prix que ça coûte, ce genre de petite palette. Je crois que ça vaut max 8 ou 10 euros, hein, je ne sais plus, mais c'est des petits prix quand même. Et elle ressemble très 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 fortement au niveau des couleurs et exactement le même genre de make-up que j'aurais pu faire avec celle-ci, la Topaz de chez Huda Beauty. Donc je pense que ça doit être une genre de dupe, je vais faire des swatchs et tout pour bien comparer, mais en tout cas sur mes yeux, j'ai l'impression que c'est exactement le même cycle de make-up que j'ai déjà fait avec celle-ci. Donc je suis assez épatée, sachant que même la pigmentation est quasi la même. Donc à vérifier, je vais faire ça. Si une vidéo comparative vous intéresse, parce que quand même ça peut être un gros bon plan, entre cette palette qui coûte je pense 30 euros et celle-ci peut-être une dizaine d'euros, c'est pas négligeable quand même, c'est vraiment une super surprise. Donc voilà, c'était le petit point info sur le test du jour. En tout cas, super cadeau du jour, j'ai hâte d'être là demain. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le cadeau 20. D'ailleurs, le cadeau d'hier, c'était les rouges à lèvres de Colourpop. J'ai testé le Règne sur mes lèvres, il est magnifique. J'adore. Donc voilà, c'est juste pour vous le dire. Dans le 20, un basique croquant à souhait. Je pense, vu la forme, que c'est une palette Lindt de chocolat. Donc parfait, je pense. Alors un basique, je suppose que c'est je sais pas, chocolat au lait, peut-être fleur de sel ou quelque chose comme ça, ou noisette. Ah non, praliné feuilleté follement croustillant. Oui, ça, effectivement, c'est un basique, c'est très très bon. Bon bah parfait, hein, un petit cadeau top. Coucou, on se retrouve pour le cadeau 21. Sur mes lèvres, je porte le plus clair de la des Colourpop des rouges à lèvres. Donc c'est le Stud. Il est très beau, mais alors, il est pas si clair que ça, mais il est très très beau. C'est une sorte de nude marronné foncé. Donc le 21, sous ta douche, en mousse, tu sais ce que c'est, hein? Oui, je sais ce que c'est, rien qu'au packaging, je pense que c'est donc de chez Rituals. La mousse de douche blanche de la collection Rituals of Sakura. Puisque je pense que ma petite Elodie a acheté en fait le kit où il y avait la mousse, l'exfoliant, le beurre pour le corps et le pouce-pouce pour les mains. Du coup, elle a dû acheter des boîtes, vous savez, cadeaux que vous trouvez chez Sephora. Et elle a réparti ça dans tout le swap, je pense, si je ne me trompe pas. Je vais pouvoir me faire un vrai, vrai rituel. Spa dans ma salle de bain. Je vous avais fait un article vraiment sur cette collection que j'avais déjà testé entièrement. Je vous mettrai le lien de mon article en barre d'infos, mais c'est vraiment une collection top. Et donc oui, c'est le gros packaging, le 200 ml. Ça, c'est vraiment un basique que j'ai dans ma salle de bain. Je pense déjà que je l'ai, hein, parce que c'est pour te dire que il y avait une offre une fois sur Rituals et je l'avais acheté en 3 ou 4 fois avec son clair. Donc c'est très très bien, merci Elodie, j'ai hâte d'être à demain. Mais pour vous, cette vidéo s'arrêtera là puisque nous sommes vendredi, vous aurez cette vidéo dimanche, juste avant Noël. Donc sur ce, je vous souhaite vraiment de très 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 belles fêtes de Noël à tous, un très très bon Noël en famille ou avec vos proches. Elodie, je te souhaite aussi un merveilleux réveillon de Noël. Et je te remercie encore pour tous ces petits cadeaux, je suis encore ravie. Je vous mets comme d'habitude tous les liens qui concernent cette vidéo, ceux d'Elodie, ce que j'ai envoyé à Elodie cette semaine, en barre d'infos. Et je vous dis à très très vite, j'ai hâte de vous lire en commentaire, je vous fais des gros bisous. Salut !